Hey, salut à tous, c'est Zerix et bienvenue sur Conarium, un jeu Lovecraftien. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un maître de l'horreur, mais à l'époque où les bouquins faisaient loi. C'est celui aussi qui a écrit Call of Cthulhu. Donc ce jeu est inspiré de l'univers Lovecraft par Iceberg Interactive et sur le moteur d'Unreal Engine 4. Nous allons voir ce que ça donne. Il est sorti il y a peu, hein, pour information. Si les chargements sont trop longs, je les saute. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Donc la petite phrase d'H.P. Lovecraft que vous avez vu au début. Hein. Ah! Comment l'inverser? Inverser l'axe vertical. Non. Et je vais vous mettre les sous-titres. Ouais, parce que je suis pas un sac. Continue. Ah oui. Je vais améliorer aussi la vue. Putain. On va le mettre à 70 au cas où. Ouais, c'est guère mieux. Donc, l'univers d'H.P. Lovecraft est assez morbide pour ceux qui connaissent un peu. Mais excellent. Classe. Cannot be undone. Dr. Faust, is that you? Ouh. Grand prix de beauté de 1984. je dirais plutôt 1960, mais bon, c'est pas grave. Ah, non, c'est plutôt les années 70. Clairement. Ah. C'est bon, ça va? Qui est là? D'accord, mais comment on l'éteint? Je prends. Ah d'accord, je peux utiliser le pad numérique pour bouger. Ok. J'ai trouvé les archives médicales du docteur White. Je lirai plus tard, hein. Je vous ai laissé la fiche pour que vous puissiez tranquillement lire vous-même en faisant pause. Débranche-la, putain. Et puis, expédition Enoch. Guide de l'expédition. Ok, qui c'est qui fout tout ce bordel?
Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire, hein. Je connais pas le jeu, je connais l'univers Lovecraft, bien sûr. Mais... Non. Ok, ça c'est la lampe. Ça c'est l'inventaire. Je me casse. Excusez-moi. Service de chambre déplorable. Ouais, sérieux. Il a l'impression que le courant n'est plus là. Je vois pas du tout ce qui lui met la puce à l'oreille. D'accord, c'est bon, on bosse pas comme ça. C'est charmant. Oh, mais c'est fini, ouais. Eh oh. Est-ce que je suis dans The Thing? Non, parce que si c'est ça, balèze. Le générateur auxiliaire a besoin d'être engagé manuellement. Perdu. C'est presque ça. Bon, mais à l'extérieur on va. Arrêtez ces putains de sessions. Ils ont de la neige, la chance. Ok. Oh la chance. Tout va bien, je trouvais le bouton pour se baisser. Et le bouton pour sprinter aussi. On peut dire que j'ai bien fait de mettre les sous-titres. S'il y a une porte là. Là aussi. Mon Dieu, des cartons rebelles. Ah, un biscotch. Tiens, tiens. Si vous venez de voir la clé, vous êtes balèze. Comme c'est pratique. C'est bon là. Je n'avais point vu. Ha 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 ha!
Excellent. Donc il y a des sortes de trophées dissimulés un peu partout. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Rien à signaler sur ce côté-là. Ouais, je vous ferai un méga condensé de l'épisode en fait. Je vais jouer jusqu'à que j'en ai marre et puis je couperai au montage. Donc normalement c'est bon. Ok. C'est là où je dis. Monsieur. Je viens en paix. Pas tranquille, mais c'est parce que je sais que l'univers Lovecraft a tendance à me faire sursauter. Je prends ça. Donc c'est un jeu catégorie horreur pour ceux qui savent pas. Hein. Je vais fermer les portes derrière moi parce que franchement, ça me rassure pas. On va dire que Lovecraft était vraiment quelqu'un de doux. Ok, c'est bon. Qui était vraiment quelqu'un de doué pour te faire peur, quoi. Une pomme de peigne se situe dans l'épisode. Classe. Deuxième trésor. J'espère que vous avez eu assez de temps pour la lire parce que moi je suis trop stressé pour lire. Régler 1, régler 2. Oh. Le bouquin, ça a l'air bien. Non? Bon, tant pis. Oh.
Oh putain. Mais comme t'es dégueulasse. My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation of my venerable Dr. Faust himself. Ok. Ça c'était pas sympa. Ouais. Ça c'était vraiment pas sympa, mec. Ouais, je vais faire un truc, c'est que je vais baisser le son d'ambiance qui est en train de me foutre les boules et augmenter les dialogues. I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarians. Connarionnette. Ça ressemble à une insulte. Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. What the fuck? Ok, on va baisser le son. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Je ne suis que de l'air. Est-ce qu'il fait référence au fait qu'on ne voit pas mon corps? Tellement de questions. Je viens de commencer le jeu, j'ai déjà mal au crâne. Prenant. Toi, si tu bouges, je te jure, je te démonte boulon par boulon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit loin. C'est con parce que je suis en train de mettre la pression tout seul en fait. Hansen. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des jumpscares ou des conneries comme ça. Arrgh, il y avait une poupée sur la photo. Alors, il faut savoir que je ne flippe pas en général. C'est juste l'univers d'H.P. Lovecraft qui a tendance à me faire sursauter vraiment violent, quoi. C'est quoi les trucs du troisième œil en permanence là ? Dans les architectures, nous avons croisé les sous de la superficie. Ok. Oh, toi, t'as une gueule d'amour, toi. Ah ah. Bon.
Ouais, j'ai beau avoir diminué l'ambiance, elle est toujours aussi présente quand même. Wow, j'ai cru que c'était des mains pendant une seconde. Joindre des white. Ah. Je peux pas les lire. Tant pis, je me casse. Ok, la musique elle va s'écaler 2 secondes. On va se calmer tout de suite là, monsieur. Je vous préviens, jumpscare, je suis pas d'humeur. This coat is just right here. Where is he now? Marlowe, Anderson et Gilman. D'accord. Et maintenant? D'accord, donc ça c'est la map en fait. Si tu le dis. This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upward Expedition Base. Pequod, do you hear me? There is someone who can hear me. Please come in. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. T'es sûr? This is Frank Gilman. Can anybody hear me? Over. I was unable to reach anybody. J'ai l'impression d'avoir un truc là-bas que je dois avoir besoin de monnaie. Ok, niveau ambiance, il n'y a pas à se plaindre. Ouais, donc je pense que je vais arrêter là pour le moment. Si ça vous intéresse... Faites-moi le savoir. Et je continuerai le let's play en vidéo. Sinon, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Soyez sages.